12h à 12h50, la radio devient un pouvoir. Pourquoi dit-on avoir le béguin? Au VIe siècle, les religieuses du couvent de Liège, en Belgique, portent une coiffe de toile appelée béguin. Très vite, ce nom désigne le couvre-chef des femmes du peuple fixé à leur menton par une bride. Ces paysannes, à l'inverse des hommes, sont sensibles aux œillades des séducteurs. Au XIe siècle, on se met à moquer les amoureuses qui, troublées par leur amant, mettent leur béguin à l'envers. Puis la coiffe disparaît et le terme désigne alors, dans les campagnes, une passion passagère. La locution atteint Paris au XIXe siècle. Dans les maisons closes de la capitale, les filles vouent parfois leur béguin à des clients bourgeois, qui s'empressent de répandre cette nouvelle expression dans les dîners en ville. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci. Le curieux, on dit qu'il collectionne les histoires étranges. Et dès lors qu'on l'entend siffler, on sent que quelque chose d'effrayant est sur le point de se passer. Personne.
personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il va. Et personne n'a vu ce qui se cachait sous son masque. Peut-être a-t-il honte de montrer ce qu'il y a vraiment en dessous. Certaines personnes sont prêtes à tout pour ne pas éprouver de la honte. Même si cela implique qu'il faut sacrifier sa propre famille. À 12h50, la radio devient un pouvoir.